c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là, Eric? Tu m'as fait une de ces peurs. Désolé, c'était pas mon intention. Je savais que t'avais cours ici et je t'ai vu arriver à toute vitesse. Je me suis douté que t'arriverais pas à temps. Midor, t'as encore laissé à la porte? Oui, j'écrivais et j'ai pas vu l'heure. Pourquoi t'es là? Tes cours sont à l'autre bout du campus. Ouais. T'as un peu de temps pour qu'on se parle? Si c'est pour la fête d'anniversaire de ta mère, je suis désolée. Tu sais, entre le scénario et les révisions, je t'avais dit que ce serait compliqué pour moi de venir. On peut parler? Oui. Je comprends pas, tu veux me quitter? Dis-moi la vérité, il y a une autre fille? Non, il y a personne d'autre. Mais alors pourquoi? Chelsea, je suis sincèrement désolée, mais... T'as jamais de temps pour moi. C'est comme si j'étais pas une priorité pour toi. Franchement, je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Écoute, quand j'aurai terminé de tourner ce film, je te promets que je serai plus présente. Je t'en prie, fais pas ça. C'est ma mère. De toute façon, il faut que j'y aille. Je suis en retard. S'il te plaît, t'en vas pas. Je suis désolée. Eric, non, attends. Oui, maman. Coucou, ma chérie, est-ce que ça va? Non, Eric vient juste de me quitter. Quoi? Mais pourquoi? Et j'en sais rien, c'est dingue! Ma pauvre chérie, je suis désolée. On en reparle plus tard, si tu veux bien. Oui, on en discute ce soir. Au revoir. À tout à l'heure. Jack? Jack, où es-tu? J'ai besoin que tu viennes m'aider à descendre les escaliers, j'ai encore mal aux genoux. Jack! Jack! Je t'avais dit de faire attention, maman. Ces escaliers sont très dangereux. Allez, tu vas pas te laisser abattre. Un de perdu, 10 de retrouvé. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, regarde celui-là. Bonsoir. Tu t'appelles Chelsea? Oui. Je m'appelle Chelsea. On s'est déjà vu? Non, je m'appelle Liam. Liam m'a envoyé vous inviter toutes les deux à boire un verre à sa table. Ouais, je suis d'accord. Mila Walters? La seule et l'unique. Vous venez? Eddie, c'est la maison qui invite. Qui est Mila? Tu te rappelles cette fille au lycée? Oh non, c'est celle qui était tout le temps collée et qui a été fichue dehors. Ah ouais, je me souviens surtout que c'était une fille à problème. Ouais, on était inséparables depuis l'école primaire. Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue. Et ben voilà, on va le savoir. Jessie! Salut! Salut! Tu te souviens de Sarah? Oui, bien sûr, salut Sarah. Salut. Venez vous asseoir avec nous. Jenny, deux verres pour mes amis. Et une autre bouteille. Oh, vous fêtez quelque chose en particulier? On fête la vie. En fait, elle a écrit un super scénario et elle réalise le film aussi. C'est vrai? Et alors, t'as commencé à tourner? Malheureusement, non. Je voulais commencer dans une semaine, mais on n'a même pas la moitié du budget. Pour l'instant. Liam est super doué pour le cinéma aussi. Son père a produit un film l'année dernière. On était tous à la première. Non, sérieux? Ouais. Il va falloir qu'on en parle. Le taxi est arrivé, alors il faut que j'y aille. T'es sûre que tu veux pas venir avec moi? Je te rappelle qu'on a cours tôt demain. Je suis au courant, mais je voudrais discuter avec Mila. Je veux lui parler de mon film. Mais vas-y, je me débrouillerai. D'accord, au moins ça t'empêchera de te morfondre en pensant à Snack. Salut. Très bien. Chelsea, tu viens avec nous? J'ai une voiture qui nous attend. On y va. Aider à se détendre un peu. Vous venez, vous deux? Le spectacle va commencer. Je t'en prie. Tiens, Chelsea, c'est pour toi. Ah non, je te remercie. J'ai un examen demain. Oh, arrête, juste un verre. Tu peux pas me refuser ça, on vient de se retrouver.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen de t'aider à faire ton film. Ah oui? Ce serait super, mais comment? Disons que j'ai une petite affaire qui me rapporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est? Un divertissement interactif. Mila, me dis pas que tu t'exhibes sur Internet. Je viens de t'expliquer. Je gagne beaucoup d'argent. Quand je me suis fait virer du lycée, ça a été la goutte d'eau pour mes parents. Ça a été le grand clash et je me suis barrée. On croyait tous que t'avais déménagé. C'est ce que mes parents ont dit à tout le monde. Écoute, j'ai fait pas mal de mauvais choix dans ma vie et j'ai gâché beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ça marche pour moi. Et c'est peut-être pas exactement ce que j'aurais voulu faire, mais ça me rapporte beaucoup d'argent. Ah oui? Beaucoup d'argent? Oui. Regarde cette maison. Tout ça, c'est grâce à ce que je fais. Wow. Je vais m'asseoir. Ouh, c'est fort. Oui, c'est assez corsé. Oui, t'as raison. Qu'est-ce que c'est? Un de mes meilleurs millésimes. Et un petit truc en plus pour te détendre. Il vaut mieux que je finisse pas mon verre. Je peux savoir ce que t'as mis dedans? Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas. Mila, détends-toi. Ça va commencer. Quoi? Le spectacle va commencer. Salut les filles. Je peux voir la nouvelle? Non, la nouvelle ne va pas danser ce soir. Elle est vraiment canon. Il te trouve canon? Arrête, Mila, tu te fiches de moi, c'est pas drôle. Elle croit que tu rigoles. Si tu nous envoyais $100 pour lui montrer que t'es sérieux. Bien sûr, et voilà. Il vient de doubler la mise. Il a envoyé $200. Allez, viens, va danser pour lui. Je me sens ridicule, qu'est-ce que je fais? Allez, écoute la musique. Tu es ravissante. Laisse-toi aller. Qu'est-ce que je fais? Détends-toi, lâche-toi. Je t'aime. Vas-y, c'est bon, t'es comme ça. Je veux t'épouser. Oh, regarde, il dit qu'il t'aime et qu'il veut t'épouser. Quel succès. Salut, j'ai eu ton message. Pourquoi on se retrouve ici? J'avais simplement besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Et bah dis donc, t'as une sale tête. Et à l'intérieur, c'est encore pire. T'es rentrée à quelle heure? Vers 4h30. Quoi? J'ai loupé mon droit civil ce matin. Tous les cours, en fait. Et ça valait le coup? Mila va financer ton film? On n'a même pas eu le temps d'en parler. Il y a autre chose qui m'angoisse. Tu croiras jamais ce que j'ai fait. T'as couché avec Liam, c'est ça? Non. T'as rappelé Eric? Non. C'est pire que ça. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais comment Mila se fait autant d'argent? Elle a un site internet où des filles se déshabillent pendant que des mecs les matent en direct. Oh non, non. Chelsea, t'as pas fait ça? Si. T'es allée jusqu'où? J'ai retiré le haut. Oh. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'avais bu et tout le monde le faisait et il y avait tous ces mecs en ligne qui payaient des centaines de dollars pour que je danse et que je me déshabille. Et alors? Je sais pas, j'avais pas envie d'avoir l'air prude. Sur le coup, c'était amusant. L'été dernier, ma mère et moi, on est allés à la mer. On était toutes les deux torse nues sur la plage et c'était pas gênant. Je comprends, mais ça n'a aucun rapport. Comment t'as pu faire une chose pareille? C'est...
J'en sais rien. À chaque fois que je sors avec Mila, elle trouve toujours le moyen de me faire faire n'importe quoi. Peut-être. Mais là, franchement, c'est ta faute, pas la sienne. Mais je sais. T'as raison. On sortait souvent quand on était plus jeune. Et il y avait toujours des problèmes. Au début, c'était drôle, et puis très vite, ça virait au cauchemar à chaque fois. Elle me la jouait Thelma et Louise, tu vois. Vas-y, éclate-toi comme si c'était le dernier jour de ta vie. Mais tu vois, c'est pas le dernier. Alors t'as pas le choix, faut que tu affrontes le lendemain et... Thelma et Louise n'ont jamais enlevé leur haut en ligne. Et aujourd'hui, il y a des vidéos de toi seins nus sur Internet et tu peux pas revenir en arrière. Oui, ça, je sais. J'ai essayé d'aller sur le site ce matin, j'ai pas réussi à me connecter. Je voulais supprimer tout ce qui avait été posté. D'accord. Bon, alors... Il faut que t'appelles Mila. Je l'ai déjà fait et on se voit tout à l'heure. Parce que j'ai oublié ma veste chez elle. Tu règles ça aujourd'hui, d'accord? Compris. Salut, Chelsea. Voilà ta veste. Merci. Et ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce que t'as gagné sur mon site. En parlant de ça, je te demande d'effacer tout ce que j'ai fait sur ce site. Je voudrais pas que ça nuise à ma carrière. T'inquiète pas, rien n'est enregistré, tout est en direct. Alors y a plus rien? Plus rien du tout? Non. Enfin, y a toujours des traces numériques, mais c'est tout. Je peux accéder à ton site pour vérifier? Oui, bien sûr. Je te donne un code pour que t'aies pas à payer. Tu veux regarder maintenant? Oui, je veux bien, mais... C'est pas Liam, cet ordi? Il est ici? Si, c'est son ordi, mais non, il est sorti, il va repasser tout à l'heure. Est-ce que t'as craqué pour Liam? Quoi? Non, je t'assure que non. Eric et moi, on vient juste de rompre. Mais j'espère que c'est pas fini. Liam m'a dit qu'il voulait lire mon scénario. Ah. Quoi qu'il en soit, jamais tu n'auras gagné autant d'argent aussi facilement. Si tu veux pas continuer, c'est pas grave. Moi, j'ai pas le choix, c'est une question de survie. Ça m'a sorti de la rue. Et puis, on s'est quand même bien amusé, tu trouves pas? Mila, t'as mis de la drop dans mon verre. Grâce à ça, on était toutes de meilleure humeur. Et tu t'es bien amusée? Non, tout ce qui t'intéresse, c'est t'amuser. Et comme toujours, au final, c'est moi qui ai des problèmes. Oui, mais contrairement à moi, t'avais une mère qui veillait sur toi. C'est vrai que t'as eu des problèmes. Je sais que ta mère ne voulait pas qu'on se fréquente. À l'époque, je mesurais pas la chance que t'avais. Écoute, on oublie ça. C'est n'importe quoi, ça me ressemble pas. Mais je vais garder l'argent, ce sera un investissement pour mon film. Bienvenue dans le cinéma. Oh, regarde, il dit qu'il t'aime et qu'il veut t'épouser. Succès! Oh, regarde, il dit qu'il t'aime et qu'il veut t'épouser. Quel succès! Bonsoir, maman. Salut, Dean. Salut, Chelsea. T'as l'air de bonne humeur. T'as réussi ton examen? Oh, tu t'es réconciliée avec Eric? Non, je me suis pas remise avec Eric, mais je crois que j'ai pas trop mal réussi mon examen. Ça, c'est ma fille. Je suis sûre que tu vas devenir une très grande avocate. En parlant de carrière, t'as eu des nouvelles de ta promotion? Ils veulent qu'elle passe un entretien. Quoi? Pourquoi? Tu bosses dans cette boîte depuis 6 ans, ils te connaissent. Je sais, mais ils veulent quand même me mettre en concurrence avec d'autres candidats. Mais t'inquiète pas, je peux faire ce travail les yeux fermés. Oui, ça j'en suis sûre. Bon, bah, je vais réviser un peu avant le dîner. D'accord. $1,000? Désolée, mais c'était la seule et unique fois. C'est terminé. T'as raison. T'es trop mignonne et trop classe pour faire ce genre de truc. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Chelsea, le dîner est prêt! J'arrive, maman! Désolée, je dois y aller. Sous un autre angle et ce sera bon.
Tous les deux, vous avez été magnifiques. Merci beaucoup. Mila est toujours pas arrivée. Elle devait être là il y a une heure. On va bientôt perdre la lumière. Oui. Je vais l'appeler tout de suite et lui dire que c'est annulé. Bonjour, la grande réalisatrice. Comment ça va? Je suis prête pour les gros plans. T'as eu les messages que je t'ai envoyés? T'as plus d'une heure de retard. Je suis vraiment désolée, j'ai pas regardé mon téléphone. Y aura plus assez de lumière et on pourra pas tourner ta scène. Arrête de stresser, on la fera un autre jour. Si on allait boire un verre, je t'invite. Non, je vais pas boire un verre avec toi, Mila, d'accord? Et on peut pas faire ta scène un autre jour parce que tout l'argent qu'on a gagné hier a été dépensé aujourd'hui. Et je suis encore fauchée. Allez, on reprend. Tout le monde en place. Écoute, je te présente mes excuses. Je sais que chaque dollar compte. Je comprends ce que tu ressens. Et c'est pourquoi je vais investir dans ton film. Quoi? Mila, je pense que tu as déjà investi dans mon film. Ça compte pas, on oublie. Je t'ai gâché la journée, alors laisse-moi me rattraper. On recommence à zéro. À condition que je récupère cet argent dans un an. Oh, et me vire pas de ton film. Je suis une super comédienne. T'es sérieuse? Il te faut combien? Rebonjour. Salut Chelsea. Désolée pour aujourd'hui, c'est ma faute. J'espère que les 1000 dollars supplémentaires vont t'aider. Et si t'as besoin de plus, je suis là. On s'amuse bien. À bientôt. Salut. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en ligne. Chelsea Wilson. Chelsea? Location de caméra. Oh, Chelsea. Et je vous rappelle très vite. Salut Eric, c'est moi. Je voulais te faire un petit coucou. J'ai une carte pour l'anniversaire de ta mère. Enfin, même si c'est passé. Et j'aimerais bien te la donner. On pourrait se voir quand tu veux. Écoute, je sais que j'ai pas été très présente pour toi. Je me suis laissée déborder et je suis désolée. Peut-être qu'on pourrait se voir bientôt pour en discuter. Enfin, j'espère que je te croiserai au campus aujourd'hui. Voilà. Salut. Chelsea, tu peux m'expliquer ce que c'est? Rien. Où t'as trouvé ça? T'es censée travailler pour tes études de droit et tu fais un film? Maman, je peux faire les deux. Je l'ai toujours fait avant. Peut-être, mais les cours sont de plus en plus difficiles chaque année, alors tu dois te concentrer. Je le suis. T'inquiète pas, je t'assure. Tu dépenses beaucoup d'argent pour ton film. Je peux savoir d'où il vient. Je donne des cours particuliers au centre étudiant. Je gagne pas mal d'argent. Quand est-ce que tu trouves le temps? C'est les mêmes sujets que les cours. Du coup, ça me permet de réviser en même temps. Je veux que tu me promettes que tu ne travailleras pas sur ton film avant la fin de l'année. Parce que t'as pas le temps de tout faire, et sinon tes études vont en pâtir. Maman, me fais pas ça, s'il te plaît. Je te promets que je vais bien me concentrer sur mes études et que je travaillerai encore plus. Et moi, je travaille déjà beaucoup pour financer tes études, alors il est hors de question que je te laisse perdre un an. Oui, mais maman, si je décroche une bourse en cinéma, t'auras plus besoin de travailler autant. Pourquoi tu m'as caché tout ça? J'en sais rien. Peut-être parce que tu travailles très dur. Et je voulais pas que tu t'inquiètes. Et tu vas enfin avoir cette belle promotion.
Je sais combien ça compte pour toi. Et moi, je sais que tu adores faire des films. Mais tu seras une avocate et tu auras une vie bien meilleure que celle que j'ai pu t'offrir. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Toutes les deux, on a une vie formidable. Dis jamais ça. Tu te rappelles? Toi et moi, on reste unis. Ouais. Toi et moi, mon cœur. Oh, Chelsea. Faut que j'aille travailler. Dis-moi, c'est pas aujourd'hui que t'as les résultats de ton examen? Si, maman. Je te tiens au courant. Bonne chance pour ta promotion. Chelsea, félicitations pour votre prix. Où puisez-vous votre inspiration? Ma principale source d'inspiration est ma mère, Beverly. J'ai grandi sans mon père, alors ma mère a été mon modèle. C'est pour toi, maman. Merci. Beverly Bilson. Des assurances Westvale. Je suis désolé, je suis maladroit. Merci. On dirait que vous avez besoin d'un petit sourire. Ça se voit tant que ça. La journée a été dure. C'est quoi le problème? Ah, désolé, je voulais pas être indiscret. Non, c'est rien. Je viens de louper un entretien pour une promotion. Je survivrai, mais je croyais que j'allais l'avoir. Vous devez être déçu. Je suis navré pour vous. Merci. Pardon, je m'appelle Jake. Je dirige la salle de sport Metro Street. C'est juste à côté. Beverly, enchantée. Enchantée également. J'ai l'impression que je peux faire quelque chose pour vous. C'est très gentil, mais j'en doute. Ce qui est fait est fait. Non, dites pas ça. J'offre des abonnements gratuits à la salle de sport. Enfin, j'essaie d'offrir des abonnements. Mais on dirait que personne n'aime le sport dans cet immeuble. Je pense que c'est exactement ce qu'il vous faut pour prendre du recul sur ce petit incident. Oui, il faut que je prenne du recul. Je crois que vous êtes prête. Un abonnement gratuit à un club de gym? Où est le piège? Il n'y a aucun piège. C'est juste 3 mois gratuits et 3 séances d'entraînement personnalisées. Eh ben, ça me semble super. C'est super. Disons que ça sera super. Et je ferai tout pour que ça le soit. Je vous assure, rien de tel qu'un peu de sport pour oublier une mauvaise journée. Vous avez trouvé les mots pour convaincre. J'essaie. Alors, ça vous tente? Vous passez un jour après le travail, je vous fais visiter. Et je vous offre une boîte de compléments protéinés recette maison. Je vous mets pas la pression. Ouais, je vais réfléchir. Ravi de vous avoir rencontré. Pareillement. Au revoir. Hey, ça va? Ça a donné quoi? La cata. Désolée. C'est vrai que c'était pas facile pour toi ces derniers temps. Tu vas le dire à ta mère? Je suis très mal. Ça va? T'as rendez-vous avec une cliente? Ouais, fais-la entrer. Bonjour. Bonjour. J'étais pas sûr que vous viendriez. Moi non plus. Vous avez votre tenue de sport? Mm-hmm. Super. Alors, on y va. Besoin d'extra, demain, Eastside Park, réponse en message privé. Oui. Salut. Ça a été aujourd'hui? Très bien, oui. Je suis désolée pour ta promotion. Oh. Merci. C'est rien. Tu sais, il y aura d'autres occasions. Oui. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait une bonne affaire pour nous deux. Je suis allée dans un club de gym. Maintenant, on a toutes les deux un abonnement et un coach personnel. Waouh, merci. Mais je sais pas si je pourrais tout faire. Je pense que c'est important qu'on passe un peu plus de temps ensemble. C'est moi? Chelsea. Je sais que c'est pas facile pour toi. Ta rupture avec Eric, les études en droit qui sont de plus en plus difficiles. Mais ça prouve que j'ai raison. Le film, ça fait trop. Non, maman, je t'assure.
S'il te plaît, fais-moi confiance. Il faut vraiment que je le fasse. Tu comprends? Maintenant, je dois travailler avant d'aller me coucher, alors... Bon, d'accord. Et si jamais tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci. Mais ça va aller. Salut les filles! T'as besoin d'un extra? Je t'ai dit que je viendrais te voir, même si c'est un samedi. Ça a l'air de bien marcher. Ouais, on avance bien, mais oh, c'est du boulot. Bravo! Chelsea, les batteries. Ah, d'accord, je reviens. Chelsea, attends! Il faut que j'aille chercher les batteries dans ma voiture. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le mec qui arrête pas de te regarder? Où ça? Bah, il était là il y a 2 secondes. Je te jure. Allez, viens. C'est quoi ça? Tu crois que c'est qui? Eric? Non, il aurait pas laissé des fleurs sur ma voiture. Liam? Des trompettes des anges pour mon ange. Ça m'étonnerait que ce soit Liam. Il est passé où, le mec que t'as vu? Je sais pas, il s'est volatilisé. C'est un peu flippant. Je suis vraiment contente qu'on fasse ça ensemble. Salut, Jake. Je te présente ma fille, Chelsea. Je suis ravi de te rencontrer, Chelsea. Ta mère n'a pas arrêté de dire du bien de toi. J'ai prévu un beau programme d'entraînement et vous aurez chacune une boîte de compléments de ma composition. T'es partante? Oui, je crois. Super. Je veux voir un beau sourire après l'entraînement. Prêtes, les filles? Bien sûr. Parfait. Alors, on y va. Écoute la musique. Tu es ravissante. T'aimes qu'il veut t'épouser. Merci beaucoup, Jake. Bonne soirée. À très bientôt. Regarde ça. Ah, ça leur pose aucun problème d'afficher toute leur vie sur Internet. Et en plus, ils sont contents que tout le monde la voit. C'est une boîte de nuit. Mais c'est Mila. Chelsea l'a recontactée. Pourquoi l'a revue? Qu'est-ce qu'elles fabriquent ensemble? Quand elles étaient au lycée, Mila et Chelsea ont séché les cours et Mila a volé un collier. Chelsea n'était pas au courant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mila a été arrêtée et Chelsea a été convoquée au poste pour être interrogée et j'ai dû aller la chercher. Ah ouais? Elle était terrifiée. Je m'inquiéterais pas trop pour Chelsea. Elle a la tête sur les épaules, t'en fais pas. Qu'est-ce que tu crois que cette Mila pourrait faire, de toute façon? Où étais-tu passée, jolie Pamela? Comment vous avez eu mon numéro? Ou, devrais-je dire, Chelsea? Qui êtes-vous? Comment vous m'avez trouvée? Tu as eu mes fleurs aujourd'hui? Je vais porter plainte. À qui? Pourquoi? J'ai rien fait. Et je vous ai rien fait. S'il vous plaît, arrêtez. J'y peux rien. Quoi? Je veux être près de toi. Je bloque votre numéro. La robe que tu portais aujourd'hui était très belle.
Tu es si belle. Il t'a menacée? Non. C'est la faute de Mila. Cette fille t'apporte que des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois appeler la police. Et je leur dis quoi? Si ma mère la prend, ça va la tuer. Non, tu sais quoi? Elle me tuera d'abord. C'est un cauchemar. Écoute, tu as supprimé ton compte. Alors rien ne prouve que tu as participé à un show sur ce site. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Je pouvais pas réfléchir deux secondes. Qu'est-ce que je peux être idiote? Tu devrais aller voir Mila. C'est elle qui t'a entraîné là-dedans. C'est à elle de régler le problème. Oui. Je suis d'accord. C'est vraiment flippant, Chelsea. T'as supprimé ton compte, mais on a encore son pseudo. On peut peut-être le retrouver et l'identifier. D'accord. Mais comment? On peut essayer de faire des recherches sur le site. Ça va prendre combien de temps? Ça, je peux pas te dire, Liam. Ça va demander pas mal de boulot. Ça se fera pas du jour au lendemain. Génial. Comme ça, il aura largement le temps de débarquer dans ma chambre. Je devrais appeler la police. C'est une mauvaise idée. Si tu vas les voir, ils vont faire une enquête sur toi et tous tes amis. Et alors? Tu caches quelque chose? Liam a raison. J'ai assez fréquenté la police pour savoir que la première personne qu'ils interrogeront, ce sera ta mère. Je sais pas quoi faire. Écoute, laisse-nous quelques jours pour essayer d'en savoir plus sur ce mec. Mila, je peux peut-être pas attendre quelques jours. T'es sûr que tu veux pas que je te raccompagne? Si ce type me voit, peut-être qu'il laissera tomber. Ça va aller, mais merci. D'accord. On va trouver ce mec, et il arrêtera de te harceler. Ouais. Salut les filles. Salut. T'es sûr que c'est pas lui ton harceleur? Comment il te regarde? Eric veut prendre un café avec moi. Tu vois? Ça au moins, c'est une bonne nouvelle. Oui. Salut. Désolée, je suis en retard. Salut. J'ai l'impression que je t'ai pas vue depuis une éternité. Ouais, je sais. Je me suis dit que ce serait bien qu'on se parle. La dernière fois, on s'est quitté un peu brutalement. Oui. Eric, je suis sincèrement désolée. Moi aussi. C'est vrai, j'aurais pu être plus compréhensif, mais... J'avais vraiment l'impression que tu faisais comme si j'étais pas là. Je voulais pas te blesser, je m'en rendais pas compte. Est-ce qu'on pourrait se donner une nouvelle chance? Ouais. J'aimerais beaucoup. Si on dînait ensemble demain? C'est un rendez-vous? Ouais. Ce serait avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Non, c'est gentil. Je cherchais la maison d'un ami. J'ai l'impression que je me suis trompé de rue. Je suis désolé. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. En fait, c'est une chance que vous soyez passé. Vous avez une minute? Je me suis fait mal au dos et j'ai une caisse dans ma voiture que je dois sortir. C'est juste là, ce serait vraiment gentil de votre part si vous pouviez m'aider à la porter. Oui, bien sûr. Allons-y. Super. Vous avez une jolie maison. Merci. Elle était à ma mère avant sa mort. Oh, je suis vraiment désolé. Ça a été soudain, elle a eu un accident dans la maison. Oh, c'est terrible. Elle est tombée dans les escaliers. Ah, c'est fermé à clé. Attendez, je vous laisse faire. Je vais ouvrir la portière. Je vois pas de caisse.
Je vais me coucher. Je t'ai pas vue aujourd'hui, j'espère que ça a été. Bonne nuit. Maman. Je suis désolée. J'ai vraiment fait n'importe quoi ces derniers temps. Moi aussi, je suis désolée si je t'ai causé encore plus de stress. Je sais que je peux être un peu trop exigeante parfois. J'ai l'impression de me noyer un peu plus chaque jour en cours, mais je sais que c'est important d'avoir mon diplôme. Tu m'as tellement aidée depuis le début et je veux pas te décevoir. Mon cœur. Je veux que tu sois sûre d'une chose. Tu m'as jamais déçue. Je suis vraiment très fière de ce que tu es devenue aujourd'hui. Merci. Je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Je t'aime tellement, ma chérie. Les trompettes des anges. Un magnifique et puissant chloroforme naturel. Salut Sarah. Salut Chelsea. Bon écoute, le mieux c'est que tu passes demain matin et qu'on prenne ma voiture. Et après les cours, on retrouvera ma mère au club de gym. Vers 18h, quand elle sortira du travail. Il faut que t'ailles sur leur site et que tu t'inscrives pour une séance gratuite. Oui, d'accord. Je le ferai avant de partir demain matin. T'es sûre que je pourrais entrer? Oui, bien sûr. Et Sarah... Merci. À demain. Au revoir. Au revoir. Salut Chelsea, c'est Sarah. Tu peux me rappeler dès que t'as ce message. Il faut que je te parle. Merci. J'ai vu dans le parc. Je suis en route actuellement, c'est peut-être ton harceleur. Fais attention. Bonjour. Tu m'as réveillée. Oh, désolé. Comme j'étais dans le coin, je suis passé vous déposer quelques compléments vitaminés. Tu te souviens? Je vous avais promis une boîte gratuite. C'est ma recette personnelle et je l'ai fait faire à Los Angeles. Ton prof de gym est le même type que j'ai vu dans le parc. C'est peut-être ton harceleur. Fais attention. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup, Jake. Sarah va bientôt arriver. On va aller en cours ensemble. Mais merci. Est-ce que tout va bien, Chelsea? Non, enfin, oui, tout va bien. Je dois aller me préparer. Oh, attends, une dernière chose.
Dès la première fois que je t'ai vue. Je vais te laisser ici. Mais je reviens vite. Bonjour, c'est Chelsea. Laissez-moi votre message et je vous rappelle très vite. Oui, c'est moi. T'es sous la douche ou quoi? Je suis à la porte. Bonjour, Eric. Chelsea n'est pas là? Je sais pas, j'ai frappé à la porte, je l'ai appelée, mais elle répond pas. C'est bizarre parce que sa voiture est ici. On devait se retrouver avec Sarah pour aller à un cours de gym. C'est ouvert. Chelsea? Eric est là. Chelsea? Chelsea? Chérie? Toutes ces affaires sont là. Je vais regarder dans les autres pièces. D'accord. Chelsea? Sa voiture est là, ses clés aussi. Elle serait pas partie sans son téléphone. C'est bizarre, Dean, je suis inquiète. Y a pas de raison, ma chérie. Elle a dû sortir avec des amis. Tiens, vérifie sur les réseaux sociaux. Elle a peut-être posté quelque chose. Écoute, j'ai presque terminé. Je te rejoins à la maison dès que je peux, d'accord? Merci, chérie. De rien. À tout à l'heure. Oui, au revoir. Salut, Sarah, c'est Eric. La mère de Chelsea est avec moi. On sait pas où est Chelsea, alors dès que t'as ce message, est-ce que tu peux nous rappeler? Ce serait gentil. Merci. Merci, Eric. J'ai aucune envie de faire ça, mais je crois que je vais appeler Mila. Bonjour, Madame Bilson. Non, elle est pas là. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas, justement. Je suis à la maison avec son petit ami, Eric. D'accord. J'ai pas vu Chelsea aujourd'hui. Mila. Elle est pas à la maison. Elle a laissé ses clés, son téléphone et sa voiture égarées dehors. C'est très étrange. J'espère que ça n'a rien à voir avec son harceleur. Son quoi? Il y a un homme qui l'avait repéré sur Internet et qui la suivait. Il était dans le parc quand elle tournait son film et il la regardait. Il a même laissé des fleurs sur sa voiture. Est-ce que tu sais si cet homme l'a menacée? Il a dit que si elle allait voir la police, elle aurait des ennuis. On n'a plus le choix, il faut absolument qu'on les prévienne. Madame Bilson, il y a autre chose que vous devriez savoir. Qu'est-ce qu'il y a encore, Mila? D'accord, je le mérite. Seulement, ça pourrait être grave et j'espère sincèrement que c'est pas ça. Un soir, Chelsea était vraiment pas bien, son petit ami venait de rompre, elle avait pas mal bu, elle disait qu'elle avait pas assez d'argent pour faire son film, alors j'ai trouvé un moyen pour l'aider. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai filmé par webcam sur mon site de charme. Ton site de charme? Je voulais juste gagner un peu d'argent facilement sur le net. Mon site s'appelle Le Monde Rêvé de Dahlia. Je suis désolée, Madame Bilson. C'est elle. Aujourd'hui. Au mauvais endroit. Au mauvais moment. Bonjour, c'est Liam. Laissez un message. Liam, où t'es? Et pourquoi t'as répondu à aucun de mes messages? Alors, t'as trouvé quelque chose sur le compte de ce mec? Il faut que je te dise que Chelsea a disparu, alors fais attention, il est peut-être dangereux. Rappelle-moi dès que tu peux. Malheureusement, j'ai déjà vu des personnalités obsessionnelles franchir la ligne rouge. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils réussissent parfois à trouver la fille. Ensuite, qui sait jusqu'où ils peuvent aller. Oh, quelle horreur. Ne vous inquiétez pas trop. Parfois, il ne se passe rien. Ils ne sont pas violents. Mais parfois, ils sont dangereux, n'est-ce pas?
On va déjà faire le point sur ce qu'on sait. Vous avez regardé ce qu'elle a fait sur le site? On a réussi à se connecter sur le site, mais le compte de Chelsea a été supprimé. Vous pensez qu'on pourrait contacter l'opérateur pour en savoir plus? Légalement, on peut pas. Chelsea est une adulte, donc ce qu'elle a fait n'est pas un délit. La seule solution, c'est de demander directement à la personne qui a créé ce site. C'est Mila. Mila comment? Mila Walters, c'était une amie de Chelsea au lycée. Elles se sont retrouvées il y a quelques semaines et c'est elle qui a créé ce site. D'accord, parfait. Il me faut son numéro. Il y a quelqu'un d'autre qu'elle a rencontré récemment? L'équipe du film, elle tourne un film. Elle a peut-être une nouvelle équipe ou engagé des extras. Et il y a ce club de gym, où tu vas avec elle? Le club Metro Street. Le prof s'appelle Jake Peters. On s'est abonnés toutes les deux. D'accord. Et vous avez dit qu'il n'y avait aucun signe de lutte dans la maison. Donc ça indiquerait qu'elle est peut-être partie avec quelqu'un qu'elle connaît. Et elle a disparu depuis 8 heures ce matin. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je sais que tu n'aimais pas ton petit copain. T'as raison de toute façon. Il peut pas te donner ce que je peux t'offrir. Alors je me suis occupé de lui. Oh non, non, mon ange, non. Je te promets que j'ai fait ça rapidement. Ne t'inquiète pas. Il a pas souffert. Bonjour, c'est Liam. Laissez un message. Mais oui, bien sûr. Promis la pression. Oh, tout est ma faute. Tu sais que c'est pas vrai. Regarde ce qui s'est passé. Elle a dû aller sur le net et faire toutes ces horribles choses pour de l'argent. J'arrive pas à croire que ma fille ait pu faire ça. J'ai même pas pu la protéger. Tu peux pas t'en vouloir pour ce qui est arrivé. Hey, écoute-moi, chérie. Tu as élevé seule une fille très sensible, attentionnée et qui t'aime. T'es d'accord? Et si aujourd'hui elle est devenue une belle jeune femme, intelligente, créative, si elle est ce qu'elle est, c'est parce que tu es ce que tu es. Tu ne dois jamais l'oublier. On va la retrouver. Me recueillir auprès de Liam. Allez-y. Merci. Voiture
C'est bon? Oui, merci. Mademoiselle Walters, il arrive beaucoup de malheurs à vos amis et je ne peux pas m'empêcher de penser que vous y êtes mêlés de près ou de loin. Comment ça? J'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Liam ou à Chelsea. Si vous m'accompagnez au poste pour répondre à quelques questions. Je suis accusée d'avoir commis un crime? Non, pas encore, mais ce serait dans votre intérêt de coopérer. J'ai quelques courses à faire ce matin, je passerai vous voir après. Ça vous va? Oui. À tout à l'heure. Lieutenant, une dernière chose. J'écoute. C'est le portable de Liam. J'ai utilisé son pouce pour le déverrouiller et... ce nom et cette adresse se sont affichés en premier. Vous le connaissez peut-être? Maintenant, vous dissimulez des preuves? Oui, je le connais. Fais-la entrer. Bonjour. Monsieur Peters, lieutenant Morita, police de Los Angeles. Vous avez une minute pour répondre à quelques questions? Bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. De quoi s'agit-il? Une de vos nouvelles clientes, Chelsea Bilson, a disparu. Donc nous demandons aux personnes qui l'ont vue ces derniers jours si elles ont remarqué quelque chose d'étrange. C'est vraiment terrible. J'ai rencontré Chelsea hier, par hasard, au café qui se trouve dans le parc Roosevelt. Elle m'a dit qu'elle attendait son petit copain. On a discuté deux minutes et je suis parti. Que faisiez-vous dans ce parc? J'avais retrouvé un client pour un entraînement. Comment s'appelle-t-il? Chris Fields. Chelsea sur internet et vous lui avez jamais envoyé de fleurs? Non, non, j'ai entraîné Chelsea deux fois ici avec sa mère Beverly. Vous avez déjà regardé un site qui s'appelle Le Monde Rêvé de Dahlia? Jamais entendu parler. C'est un site où des hommes regardent des femmes filmées en direct. C'est nul. Non, c'est pas du tout mon truc, lieutenant. Ça vous ennuie pas si on reprend cette conversation plus tard parce que j'ai des clients qui m'attendent? Oh non, on a fini. Pour l'instant. Bien. Merci pour votre aide, Monsieur Peters. Je vous en prie. Si j'ai d'autres questions, je peux vous contacter? Oui, oui, parfait. Bien sûr. Merci. Ouais. Bon courage. Merci d'être passé. Oui, merci à vous. Lieutenant, vous avez oublié quelque chose? Oui, j'ai une dernière question. Connaissez-vous cet homme? Liam Gregg? Non, je ne sais pas qui c'est. On l'a retrouvé mort ce matin dans une benne. Et votre nom et votre adresse sont apparus en premier dans l'historique de son téléphone. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Mais vous savez, pas mal de gens ont mon nom et mon numéro. Je distribue beaucoup d'abonnements gratuits à des gens que je connais même pas. Ça fait partie du business. Oui, merci pour tout. Oh, et on vous contactera si on en a besoin. Pas de souci. Merci. Thank you.
chercher de l'aide. J'ai eu les collègues, ils m'ont dit qu'ils allaient distribuer ces affichettes un peu partout. Je vais commencer par le café du parc et l'université. Ah, c'est la police. Oui, bonjour, lieutenant. Bonjour, madame Bilson. J'ai interrogé Jack Peters. Et il m'a dit qu'il ne savait rien sur la disparition de votre fille. Mais j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai entré son nom dans le fichier et apparemment, il a un passé plutôt chargé. Il a été arrêté 2 fois pour coups et blessures. Il a fait 6 mois de prison pour violence familiale avec une mesure d'éloignement. Et il y a 1 an, il a quitté un établissement psychiatrique pour être confié aux soins de sa mère. Et sa mère est morte, très peu de temps après. Elle s'est brisée le cou en tombant dans les escaliers chez elle. Un accident regrettable, dirons-nous. Oui, ben, je vous avoue que je m'en doutais pas. C'est plutôt troublant. Alors, vous en pensez quoi? Ça pourrait nous aider à trouver Chelsea? J'ai bien peur que non. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve confirmant qu'il serait impliqué. Mais je continue à chercher. Vous avez trouvé quelque chose sur le site? On essaie de convaincre les propriétaires de coopérer. Mais ils ont du mal à nous donner accès au contenu. Je fais tout pour que le juge nous délivre un mandat. Merci encore, lieutenant. C'est pas le bon moment. Je suis occupé. Ça t'ennuie de repasser un peu plus tard? Je peux pas, Jake. Il faut que je te la rende maintenant. Je dois partir ce soir. Non, elle est dans mon camion. Il faudrait que tu m'aides à la sortir, là. Désolé. Je veux rien entendre. D'accord, Bill. J'arrive tout de suite. J'en ai pas pour longtemps. Je crois qu'il est temps de partir. C'est la fin du voyage pour toi. Comme je te le disais, au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Fitness Life Nutrition. Le club de gym Metro Street de Jack Peters. Poursuivi par les investisseurs. Bonjour, Beverly. Bonjour, t'as du nouveau? J'ai trouvé chez vous l'étiquette d'une boîte de compléments protéinés fabriquée par une société. Et j'ai découvert que c'est Jack Peters qui la dirige. Ah. Apparemment, il a fait faillite il y a environ 2 mois. Et ses investisseurs le poursuivent pour fraude et détournement de fonds. Eh ben, c'est très intéressant. Ce type a tout pour plaire. La police l'a interrogé. Je vais en parler au lieutenant. S'il te plaît, tu peux rester à la maison. On sait jamais si elle appelle ou si elle passe. Et tu nous téléphones si t'as des nouvelles. Ouais, mais... Son entrepôt est au centre-ville. Alors je me disais que... Allô ? Beverly? Du nouveau? J'en sais rien, il m'a parlé de... la société de Jack Peters qui a fait faillite il y a 2 mois. Je commence vraiment à me demander si c'est pas lui. Il faut absolument qu'on ait quelque chose de concret, sinon on la retrouvera pas.
Mila. Oui, Mila. Est-ce que tu as du nouveau ? Bonjour, Madame Bilson. Oui, mon ami Liam a essayé d'identifier le pseudo qu'avait envoyé les messages sur le site. Oui, et qu'est-ce qu'il a découvert ? J'en sais rien. On a retrouvé le corps de Liam ce matin. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que ça va ? C'est terrible. Oui, je vais bien, merci. Quand j'ai ouvert le portable de Liam, le dernier contact s'est affiché et je pense que c'est celui de l'homme du site. Il s'appelle Jack Peters. Je l'ai donné au lieutenant Morita et elle a dit qu'elle allait enquêter sur lui. Jake Peters. Est-ce qu'elle t'a dit si c'était Jake qui avait laissé des messages sur le site ? Elle est pas sûre que ce soit lui. Mais Liam avait piraté le site. Il avait réussi à faire correspondre les noms d'utilisateurs avec les infos des cartes de crédit. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai ouvert son portable ce matin, l'adresse et le nom de cet homme se sont affichés en premier. Je sais pas non plus si c'est bien lui. Tu peux m'envoyer son adresse, s'il te plaît. Merci, Mila. Et je suis vraiment désolée pour ton ami. C'est lui. Qui ? C'est Jack qui était sur le site. J'en suis sûre. Le coach sportif ? Oui, le coach sportif. Mila m'envoie son adresse. La voilà, vas-y, fais demi-tour. Tu vois pas que je suis le seul qui t'aime vraiment. Je te laisserai jamais tomber comme les autres. Je prendrai soin de toi. Tu vas adorer la vie que je vais t'offrir. Tu vas m'aimer. Dis-moi ce qui s'est passé. Il m'a aspergé avec une bombe. Je me suis évanouie. Chelsea est ici. Je sais pas. Chelsea était ici tout à l'heure. Il y a personne. C'est qui ? Je sais rien, j'étais inconsciente. Non, c'est fini, il est mort. Il faut qu'on appelle la police. Et on doit t'emmener à l'hôpital. Oui, merci. C'est un message d'Eric. Il est allé à l'entrepôt de Jake et il m'a envoyé l'adresse. Il faut qu'on y aille. On appellera la police en chemin, ça va aller ? Oui, je me sens mieux, je tiendrai le coup. Je veux sortir de cet endroit. On y va, viens. Je tourne ici ? Ce sera la deuxième rue à gauche. D'accord. Ça va ? Essaie de te détendre. Oui. On y est presque. Ouais. Aidez-moi, s'il vous plaît, au secours ! Aidez-moi ! Il n'y a personne ici, mon ange. Juste toi et moi. On va bientôt sortir d'ici. Tu te reposeras en route vers le chalet. D'accord ? On va avoir une vie magnifique ensemble. Tu verras. On vivra loin de tout, sans réseau. On bâtira notre petit jardin secret. Tu restes dans la voiture et tu fermes les portières. Les secours vont pas tarder à arriver. C'est peut-être sa voiture. C'est la pantoufle de Chelsea. Le moteur est encore chaud. Ils sont pas ici depuis longtemps. La porte est fermée, on va voir derrière. La nuit va bientôt tomber. J'appelle le lieutenant de police.
Madame Wilson? Allô? Lieutenant, bonjour. Allô, Madame Wilson? Je vous entends très mal. Oui, allô? Je crois que le réseau ne passe pas bien. Allô? Je vous entends pas. Non, on pense avoir trouvé Chelsea, elle est avec Jake. Je vous envoie l'adresse tout de suite. J'espère que vous m'entendez bien. Quoi? Alors? Celle-là, je pense qu'on peut l'ouvrir. Vas-y, aide-moi. Mais... Chelsea Wilson est retenue en otage. Je vais soulever et tu tires. C'est ce que je fais. Encore une fois, vas-y. Je suis désolé. Mais où t'étais passé? J'étais là-haut, j'ai réussi à démonter la serrure et à ouvrir la porte. Tu te tiens tranquille, ne m'oblige pas à te faire du mal. Et j'ai jeté un coup d'œil, mais j'ai pas vu grand-chose. Cet endroit m'a l'air vide. C'est immense. On devrait se séparer. Faut qu'on soit prudent. Ce type est dangereux. Je vais essayer de trouver le disjoncteur. Si je coupe le courant, ça va peut-être forcer Jake à sortir de là où il est. Et nous, on va de ce côté voir si Chelsea est là. D'accord, alors je vais avec Eric. Et toi, si tu le vois, tu bouges pas, tu restes caché. Pour l'instant, on vérifie juste si elle va bien. Ouais. Dean, fais attention. Vous aussi. Du mal. C'est toi qui me forces à lui faire du mal. Tout ça, c'est arrivé à cause de ta mère. On allait vivre ensemble. Et toi, t'as tout gâché. Jake, t'es pas obligé de faire ça. Je veux que tu présentes tes excuses. Parce que t'es une mauvaise mère. Je suis désolée. Chelsea, je suis désolée de pas être une bonne mère. Continue. Tout est ma faute. Tu mérites mieux. Et je suis désolée. Je suis responsable de ce qui t'arrive. Je suis désolée de t'avoir forcé à faire ce que tu voulais pas faire. Maman, arrête, s'il te plaît. Jake, si tu veux te venger, venge-toi sur moi, mais pas sur elle. Je le mérite. Je le mérite, mais pas elle. C'est vrai. Tu le mérites. Chelsea n'est pour rien, c'est ta faute. Ah! 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 Ah
Je suis tellement contente que ça ait mis entre toi et Eric. Oui, moi aussi. Ça m'a pris du temps, mais je crois que je suis plus sereine aujourd'hui. Tant mieux. C'est pas ta faute ce qui s'est passé. Je commence à le comprendre. Maintenant, le plus important, c'est de se concentrer sur nos études et notre diplôme. Tu veux dire mes études et mon diplôme? Non, non, je parle bien de nous. Tu veux reprendre tes études? Oui, je veux décrocher mon diplôme. T'es sérieuse? Ouais. Ce sera sympa, on pourra aller en cours ensemble et sortir toutes les deux. Eh bien sûr, et toutes tes copines auront mon âge. Très drôle. Je suis fière de toi. Et je pourrais te donner des cours. Mais il faudra que tu me paies. Tu crois ça? Peut-être que c'est toi qui auras du mal à me suivre.